En 2018, les producteurs de la laiterie ont pris contact avec nous car ils commençaient à s'inquiéter de la pérennité de la collecte bio de la laiterie. De notre côté, on avait besoin de plus en plus de lait bio avec des demandes croissantes de différents clients, qui sont industriels ou les magasins de producteurs ou magasins bio qui ont des demandes de plus en plus importantes. On a voulu sécuriser nos volumes en valorisant mieux le lait, c'est-à-dire en augmentant la rémunération des producteurs pour favoriser les reprises d'exploitation dans les fermes où il y a possiblement des reprises d'enfants d'exploitants. Et ensuite, on a voulu aussi se démarquer des autres laits bio qui existaient dans le commerce en général, des grandes marques nationales. On a voulu faire un bio local également, qui valorise le lait de la montagne ardéchoise. Donc on a créé le lait bio de la montagne ardéchoise à la marque Eulalie Léon d'Ardèche, qui a été commercialisé à partir de mars 2020 et qui désormais se décline dans une gamme de fromages blancs à partir de ce mois d'avril, qui va se retrouver dans les rayons des grandes surfaces des magasins bio de l'Ardèche.